Voilà Florian, bonjour. Donc Florian nous amène le maillot de l'équipe dans laquelle il joue. Donc il va nous rappeler un peu dans quelle Oui. équipe il joue. Je suis au Mladá Boleslav en République tchèque. En République tchèque. Et donc, en fin de compte, l'histoire de cette signature dans ce club, comment ça s'est passé? Ben, j'ai pas été conservé à l'AS Saint-Étienne. Oui. Et ben, j'ai eu l'occasion de d'avoir quelque chose là-bas. Il y a eu l'Europa League qui m'a un peu attiré. Et du coup, ben, ça s'est fait là-bas. Je suis allé pour un essai d'une semaine. Et au bout de 4 jours, ça s'est concrétisé et j'ai signé là-bas. D'accord. Et ce club, si tu nous le présentes, c'est... C'est un club qui est assez récent, qui est dans la ville de Mladá Boleslav, donc où il y a le siège de Skoda. Donc c'est une ville qui vit un peu grâce à ça. Et c'est un club qui est en train de monter ces deux dernières années, qui est pas mal, qui a été connu aussi pour avoir éliminé Marseille. Je sais plus, dans les années 2000, je crois, je me rappelle plus exactement quand. Mais c'est un club qui est en train de monter. Et c'est un des seuls clubs qui recrute un peu à l'étranger. Où... Il n'y en a pas beaucoup. Mais D'accord. c'est un bon club. Et au classement, vous êtes combien Là, actuellement? on est quatrième pour l'instant. Quatrième, d'accord. Et le gros club là-bas en République tchèque, c'est... C'est le Sparta Prague avec Pilsen. D'accord. Alors, ra rappelle-toi un peu ton passage à Firminy. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage dans ta tête? Quels sont les faits marquants? Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Firminy? Ouais, j'ai beaucoup de choses dont je me rappelle, par exemple la victoire de la Coupe de la Loire en U13, deuxième année, je crois, avec le championnat aussi. Et ouais, voilà, c'est que des bons souvenirs. Je suis arrivé d'un tout petit club, Aurec-sur-Loire, et ben, j'ai eu l'opportunité de venir, où je vous avais rencontré pour venir. Il y avait l'école de foot en plus, donc après, c'était super bien passé. C'est ce qui m'a permis, c'est grâce à Firmini que j'ai pu. Ensuite, partir à Saint-Étienne. D'accord, très bien. Tu es resté combien d'années à Firminy? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Très bien. Bon, ben écoute, on te souhaite une bonne chance et puis on te remercie Ah, merci. pour ton maillot parce Non, que ça me fait plaisir. c'est très gentil. On va pouvoir mettre ça dans la vitrine du club et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Hein? Merci à vous. Voilà.